Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le Xbox Trivia. Bienvenue sur Xbox Squad. Content de vous retrouver ce soir pour cette émission, pour cette deuxième émission du Xbox Trivia. Alors, je suis seul pour l'instant à l'écran. Ça ne va pas durer comme ça, hein, puisqu'il y a Nico qui va nous rejoindre, qui est en train de régler les derniers détails techniques. On va commencer dans pas très longtemps, hein, simplement le temps de vous filer le lien. Du questionnaire ainsi que le code. Salut Charles, salut Jess, salut Ludo, salut Zayo, salut Christophe. Je vois qu'il y a du monde, IH qui est là, Edouard est là aussi, Zirka, oh, qui vient tester ses connaissances sur l'Xbox Game Studio. Merci, c'est cool. Je suis en train de regarder en même temps ma barbe, j'ai le retour, je me dis oh là là, mais quelle barbe, c'est horrible, il faut vraiment que j'aille chez le barbier, là, c'est bien trop long, on s'en fout de ma vie. Vous le voyez, enfin, vous l'avez vu apparaître vite fait, ça va revenir sous forme de message. Il y aura un lien pour faire le quiz. Très simple. Il suffit d'avoir votre téléphone à portée de main, votre tablette, votre ordinateur, ce que vous voulez. Il faut se rendre sur Kahoot. Je vais mettre ça dans le chat. On va mettre ça dans le chat. Il faut se rendre sur Kahoot.it et on va vous donner un code PIN pour rejoindre du coup notre session. Alors, je suis simplement en train de récupérer le code PIN. Comme ça, voilà. On va attendre. Tranquillement, on se laissera 5-10 minutes, peut-être le temps que tout le monde se connecte. Alors, soyez rassurés, hein, je vais balancer, je vous dis le lien, il sera affiché aussi sur l'écran juste ici, logiquement. Quand vous serez connecté, il n'y aura pas de message, il ne dira pas hey, c'est bien, vous êtes enregistré, on est en attente, etc. C'est un petit peu rudimentaire, hein, encore sur Kahoot, mais. Voilà, vous aurez un écran simplement où on vous demandera votre pseudo, vous le rentrez. Ben voilà, Nico vient de mettre le code PIN, c'est magnifique. Et puis, il faudra simplement attendre qu'on lance ça. Une fois que Nico sera avec moi, on partagera du coup l'écran. On reviendra sur les réponses possibles. Et puis, en même temps, je crois qu'il y a un petit problème sur le live. Non, c'est bon. Bon, j'avais une coupure, mais tout va bien, a priori. Si jamais ça a merdé, rafraîchissez. Enfin, en même temps, si ça a merdé, vous m'entendrez pas, du coup. Ouais, c'est ça, j'ai coupé une seconde. Parfait. Donc, je le disais, on sera là, on va animer. Il y aura aussi Franck qui va nous rejoindre en live. Alors, pour une fois, c'est la première, hein, vu qu'on ne l'avait pas fait la dernière fois, Franck va nous rejoindre. Franck n'a pas fait le quiz. Il ne le connaît pas. Donc, il va être en mode spectateur, comme vous, comme moi. Enfin, non, comme vous seulement. Moi, je connais les réponses. Et donc, il va jouer. On ne l'aura pas tout le temps à l'écran. Il va venir de temps en temps. On va lui demander un petit peu son retour. L'idée, c'est que les prochaines fois, ça soit l'un de vous qui vienne. ne touche pas à cette barre. Ça soit l'un de vous. Qui viennent, qui soient là, et justement, ouais, qu'on vous fasse venir, bah tiens, est-ce qu'il y a des questions qui ont été difficiles? Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu as découvert quelque chose? Etc., etc. Donc, voilà. N'hésitez pas, si vous voulez le faire, au-delà d'être juste derrière l'écran, si vous voulez le faire en live, bah vous nous donnez le. Vous venez en MP sur Twitter, vous venez sur le site dans le commentaire, il y aura un article pour remettre le replay, et puis bah, la prochaine fois, ça sera avec vous. On va regarder un petit peu quand même ce que fait notre ami Oups, Nico. je Ah suis bah voilà, vachement il est grand. là. Attends, je Il vais est me mettre un là. peu plus petit. Bonjour. Comment ça va, Nico? Ça va, je suis très bleu, hein. On n'a pas eu le temps de faire les petits réglages C'est pas visuels, mais grave. c'est pas très grave. De toute façon, on est surtout là pour le quiz et pas trop pour nos têtes, donc ça tombe plutôt pas trop mal. Exactement. Exactement, on est là pour le quiz. Je suis juste en train de regarder bah c'est ici, voilà. Tiens, je te laisse faire un petit coucou, expliquer s'il y a deux, trois Ben, trucs à expliquer. ça Je vais marche, ouais. Donc, inviter notre ami Franck du pour coup, qu'il nous on vous rejoigne. a effectivement envoyé le lien qui. Ça se passe sur kaout.it, du coup, ce soir. C'est ce que vous disiez, Fab. On vous a mis le lien dans le chat. On va peut-être vous l'afficher. Et en gros, pour voir si ça marche bien, d'ailleurs, je peux partager mon écran. Regardez comment ça se passe. C'est ici. Alors, attendez, je regarde la disposition. Voilà la disposition. On va la mettre comme ça. On sera bien mieux ce soir, comme ça. Et donc du coup, vous voyez votre pseudo affiché à l'écran. Donc là, pour l'instant, vous êtes disconnecté. On peut aller jusqu'à 50. N'hésitez pas à partager
le lien autour de vous du stream pour qu'on puisse s'amuser pendant une petite heure, on va dire, ensemble. Une petite heure, une heure et demie grand max. La dernière fois, on avait dit une heure, on a fait une heure et demie. Donc, on va dire une heure et demie cette fois-ci. On va partir quoi, dans une petite dizaine de minutes grand maximum, le temps que tout le monde arrive et se connecte. Peut-être même un peu moins. Merci, j'en profite à Dom Rocket qui a follow la chaîne, c'est sympa. Merci à tous d'être là, hein, vraiment, c'est cool, on lance le truc. Si ça prend bien, si on a des inscriptions régulières, si on voit que ça tourne bien finalement sur ce Xbox Trivia, eh bien on ajoutera, on changera peut-être d'outil pour simplifier encore la chose, pour avoir plus de monde, puisque là c'est limité à 50. On verra un petit peu ce que ça donne. Bon, sinon, en attendant que tout le monde se connecte, là, je vois, on a quoi, une quinzaine de participants. Bon, il y a eu une petite news, là, aujourd'hui, j'ai vu, qui est passée. T'étais off, alors vous avez le lien dans le chat, si vous avez vu, on n'a pas eu le temps de la traiter sur Xbox Squad encore, mais c'est The Verge, je crois, qui a partagé ça, Tom Warren, qui a mis la main sur des documents, comme quoi, a priori, sur le store Xbox, les coûts passeraient à 12% également, passer de 30 à 12%. Alors si c'est ça, ça serait une chouette nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y aurait sans doute un effet d'aubaine pour les indés, et donc plus d'indés qui rejoindraient le store. Alors pour les grosses boîtes, ça ne change pas grand-chose, hein, les AAA en général, c'est pas ça qui les fait changer, mais ça serait cool pour tous les jeux indés, on pourrait avoir beaucoup plus d'indés. Ça c'est plutôt cool, et il y a aussi, mais du coup toi tu l'as pas vu Nico, il y avait aussi les délais d'exclusivité. J'ai vu passer les petits messages vite fait aussi là-dessus. De comment il s'appelle, Stalker 2, a priori ça serait 3 mois. C'est pas énorme, mais j'ai vu que le The Gunk, qui m'intéresse beaucoup parce que j'adore la DA, etc., a l'air d'être sur une exclu un peu plus longue, voire indéfini, sans fin, indéfini. C'est ça. Et ça peut être cool. Enfin, moi, il me plaît bien. J'espère qu'au niveau gameplay, ça va suivre, mais ça me plaît bien. Je vois que sur le chat, on est 35 connectés. Ça, c'est top. Pour l'instant, sur le Kahoot, en revanche, vous êtes que 16 participants, vous êtes connectés. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Il suffit de prendre votre téléphone, de vous connecter sur Kahoot.it. C'est marqué à l'écran. Hein. Kahoot.it, vous rentrez le code PIN du jeu, vous mettez votre pseudo et vous attendez qu'on lance la partie. C'est ça. Vous pouvez vraiment le faire avec le téléphone, c'est vraiment pratique. Vous aurez et les questions qui s'afficheront, bien évidemment, et la possibilité de répondre directement sur le téléphone. Hein. Je suis en train de récupérer la chose pour vous le montrer. Et je pensais, Fab, tu disais que Franck va pouvoir participer, du coup, et qu'on le reprendra de temps en temps pour qu'il réagisse un petit peu aux questions directes, etc. Je pense que je vais limite pouvoir le faire aussi, parce que j'ai lu les questions il y a un petit moment et j'en ai plus aucun souvenir. Parce qu'il faut savoir que c'est Fab qui a lire l'origine de ce quiz cette semaine. Enfin, ce mois-ci, parce que c'est mensuel. Alors, on va peut-être le préciser. Alors, juste pour répondre à Zirka, en fait, il n'y a pas tant de latence que ça. Et surtout, Kahoot est géré automatiquement. C'est-à-dire que sur l'écran du téléphone, il y aura le timing, il y aura les réponses, etc. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Parfois, il y aura un petit décalage entre ce que nous, on peut dire et le fait que vous soyez sur la question, mais c'est vraiment minime et c'est vraiment très, très rare. Si Franck est là, on peut peut-être le prendre. Il est dans le salon. Bah ouais, salut Franck, on t'accueille. Hop, salut. Salut Franck. Bonsoir tout le monde. Comment tu vas ? Ça va. Oh bah moi, ça va très bien. Hein. J'espère qu'il en est de même pour tout le monde. Hein. Ouais. Bon, pas trop stressé, écoute, parce que tu es censé représenter quand même Xbox Squad ce soir. Hein. J'espère que je n'ai pas fait un quiz trop... Normalement, je ne l'ai pas fait trop dur. De mémoire, je me disais, tu m'as dit que ce n'était pas trop dur. Et finalement, je me suis dit, quand même. Alors, on va dire la notion du pas trop dur, on ne sait pas trop. Hein. Juste pour préciser le pourquoi... je suis en train de me rendre compte, j'ai ma tasse California, j'ai ma casquette Los Angeles. Juste avant, j'avais mon t-shirt 3, j'ai dit je vais le changer quand même parce que je suis en pleine nostalgie des E3. Pourquoi ce quiz ? Porter chance, c'est que ça va être Conker qui sera annoncé. Est-ce qu'il y a une question sur Conker ? Peut-être bien. Pourquoi Xbox Game Studios ? Pourquoi un questionnaire là-dessus ? Tout simplement parce que sur Xbox Squad, on a commencé à faire des dossiers de présentation thématique sur les Xbox Game Studios qui rentrent vraiment sur
comment ça a été créé, qu'est-ce qui s'est passé, quels jeux ils ont fait, les anecdotes, est-ce qu'il y a eu des choses, des bazars, etc. Et donc, en sortant de ça, et quand on a eu l'idée de ça, de faire ce Xbox Trivia, je me suis dit, parfait, je viens de sortir de 10 dossiers. Enfin, en l'occurrence, à l'époque, c'était 15, il n'y avait pas encore Bethesda. Je viens de sortir 15 dossiers où j'ai bouffé l'histoire de tous les studios. Je suis sûr que je peux trouver des questions, des anecdotes, etc. Donc, il y a quelques questions qui seront un peu pointues, mais vraiment pas beaucoup. Le gros, c'est ce que vous avez vu sur les conférences, c'est ce qu'on voit en général dans l'actualité, c'est ce qu'on relaie sur les infos, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Ça inclut Bethesda ? Oui, il y a des questions sur Bethesda. Alors, les dossiers, pas encore. Pour l'instant, je crois qu'on a 4 Xbox Game Studios qui ont été publiés. Les 11 autres, il y en a 8 qui sont écrits, il en reste 3 à écrire encore. Donc, ça va se publier au fur et à mesure. Et puis Bethesda, ça a été la surprise en septembre. Donc du coup, ça va passer à la moulinette aussi. Et c'est un peu le truc qui me fait flipper parce que Bethesda, quand tu vois l'histoire de Rare déjà, je me suis pris, mais un truc énorme. Il y a déjà 30 ans. Bethesda, c'est pareil. C'est ouf, ils ont bossé avec plein de monde. Il y a plein de monde qui est passé là-bas. Enfin bref, donc ça y est, c'est bon. Fois le nombre de studios derrière. Alors non, HLK, justement, je suis vraiment resté relativement grand public. Il n'y a pas de questions sur qui est le créateur de tel studio, qui est le CIO, qui est le géniteur, etc. On reste sur les studios, les licences et des moments un peu importants, marquants ou des grosses références. Mais voilà, il n'y a pas non plus de questions ultra pointues comme ça. Vivement un Xbox Trivia et l'eSport. Alors, ça pourrait arriver. Ça ne sera pas moi qui le rédigerai, celui-là, mais peut-être du côté de Sushi, ou peut-être via un guest. Hein, s'il y a quelqu'un qui a envie de faire un Xbox Trivia spécial eSport et qui se dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien venir avec vous animer le truc. » Écoutez, on n'y avait pas pensé, mais ça peut complètement se faire. S'il y a un sujet où vous dites « Moi, je suis capable de faire 30 questions là-dessus, et puis on y va. » go, quoi. Go. Ah, le t-shirt, il est là. Il est là, qui va bientôt arriver chez certains, chez nos abonnés premium, qui devrait arriver dans quelques mois. Je crois que les commandes vont bientôt être lancées. Donc, on est en train de faire ce qu'il faut. Ouais. Est-ce qu'on a un truc à faire gagner ce soir ? La dernière fois, on avait fait gagner un mois d'Xbox Game Pass Ultimate. Je me tourne vers le boss. Je sais pas. On a sûrement un petit jeu à faire gagner. Ouais. Après, ça peut être... On dit, allez, un jeu, on ne sait pas encore lequel, on n'a pas regardé dans le coffre, mais le gagnant repartira avec un jeu à définir. Ouais, Dirt 5, un Gears Tactics, quelque chose comme ça. Un truc sympa, ah ouais, on carrément. Voir. Ouais, bah, je sais même pas ce qu'on a en fait, je dis ça, mais ça se trouve, on ne les a pas. Mais on regardera, effectivement, mais il y aura un jeu, on va regarder. Pour compliquer ça, vous n'allez pas voir les questions. Non. Pour continuer là-dessus, juste Franck, pour t'expliquer, puisqu'il n'est même pas au courant, le pauvre. Donc du coup, l'idée, c'est qu'effectivement, tu ne seras pas toujours à l'antenne. Hein, comme ça, tu auras le temps de te curer le nez entre deux questions, etc. Il n'y a pas de souci. Mais de temps en temps, on va te reprendre simplement pour savoir effectivement un peu tes impressions, si tu as appris quelque chose. Sur les dernières questions. Mais vas-y, fais-le aussi, Nico. Il n'y a pas de problème. Ouais, franchement, il y a de la place. Je me dis, allez, go. Tu peux le faire. On est 39, il y a 19 inscrits, bientôt 20. Ouais, ouais, franchement, les connectés, là, il y a juste à... Enfin, si vous êtes sur le Twitch, pardon, n'hésitez pas à attraper votre smartphone ou à ouvrir un navigateur Chrome. Vous tapez kout.it et vous mettez l'ID du pin de jeu 130 83 51. C'est ce que je suis en train de faire, d'ailleurs. Un Bob l'éponge dédicacé par Monsieur Zayo. Bah écoute, tout est possible, tout est imaginable. Encore faut-il gagner. Alors je ne sais pas si on va bien le voir, mais concrètement, bon, moi je vais pas m'inscrire, mais voilà, vous avez un écran qui va ressembler à ça. Est-ce que j'y suis ? Vous faites... Tu as réussi. Ok, c'est Nico, parti. Voilà. Tu as réussi et c'est pas un bug. Hein. Ça va rester là-dessus jusqu'à temps qu'on lance le questionnaire. Donc, paniquez pas en disant « Ah merde, j'ai raté un truc ou quoi ?» Non, non, c'est normal. Tant qu'on n'a pas lancé le questionnaire, ça reste là-dessus. Je vais me déconnecter quand même. Ouais, moi, je me vois, c'est bon. Je suis Nico XS. Voilà, ouais, effectivement, si tu vois ton pseudo à l'écran, c'est ce qui a marqué. Normalement, vous le voyez. Vous êtes 21 et on va pouvoir commencer tranquillement. Et de toute façon, si vous voulez nous rejoindre en cours de route, il n'y a pas de problème non plus.
Je suis en train de regarder juste les derniers petits réglages. On va enlever le petit bandeau qui dit bienvenue au Xbox Trivia, installez-vous bientôt. C'est ça, parce que sinon ça va peut-être gêner. Et puis voilà. Et puis voilà, voilà. Je vois qu'on est 19, c'est ça? Alors du coup, ça fluctue un petit peu. Et du coup, tant que ça fluctue, j'ose jamais trop lancer. Bah, c'est pas grave, au pire. Ne touchez plus à rien. Si vous êtes connecté, ne touchez plus à rien, attendez. Au pire, on va pouvoir faire venir les gens au fur et à mesure. On remettra des petites infos. Vous pouvez le prendre en cours de route. N'hésitez pas, hein, c'est pas grave. Si vous avez raté 20 questions, ça sera compliqué d'être premier, mais n'hésitez pas à répondre sur les suivantes. Vas-y, tu peux peut-être lancer. De toute façon, il y a un premier écran d'accueil. Dites-nous aussi si vous nous entendez bien. Ouais, c'est vrai que c'est moi qui lance en plus. Ouais. Franck, on va te passer dans le lobby, on va voir à l'écran. Est-ce que tu as la main sur ça, Fab, ou pas? Non, j'ai pas la main sur Franck. Ok, ouais, je vais faire... Mince, j'ai coupé Fab, du coup. C'était bizarre, cette phrase. J'ai pas la main sur Franck. C'est chelou. Eh ben, on va y aller. On est 23, super. 24, allez. On a Vin974 qui cool. A repêché au dernier moment. C'est chouette. Allez. Eh ben, si ça te va, j'appuie sur démarrer. Vous voyez mon écran. Ouais, c'est bon. Je sais plus si je l'ai dit, n'hésitez pas à nous dire, hein, si vous nous entendez bien, si au niveau des sons c'est clair, etc. Normalement, on a un double micro et compagnie, donc ça devrait le faire. Allez, Xbox Trivia. Les Xbox Game Studios. On est parti. Alors, c'est un trivia qui est découpé en trois parties. Une première sur laquelle on va revenir sur l'histoire des studios de chez Microsoft. Une deuxième où on va revenir sur la période des Xbox Game Studios, donc qui est relativement récente. Et puis une troisième où on va se pencher sur l'avenir, sur les futurs jeux, sur les prochaines annonces, etc. Voilà, donc passé, présent, futur, concrètement, c'est un découpage classique. On est parti ? Allez, on est parti. Suivant. Et on commence avec une première question. Ouais. Voilà, c'est peut-être la plus compliquée de toutes. En quelle année Microsoft a-t-il créé les Microsoft Game Studios? 94, 98, 89, c'est bizarre, c'est pas dans le bon ordre, et 2002. À vous de répondre là-dessus. Mince. Alors, je parle pas des Xbox Game Studios, hein, qui sont relativement récents, mais vraiment la branche, finalement, des studios internes à Microsoft. C'était 1994, c'est cette année-là que Microsoft a créé ça. Alors, n'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez suffisamment de temps sur les réponses. Il y a des questions comme ici qui vont avoir 20 secondes, d'autres 30, jusqu'à 60 secondes quand vous allez devoir écrire vous-même la réponse. Mais logiquement, on a le temps de faire ces réponses-là. Donc, seulement 6 bonnes réponses. Voilà. On va passer à la suite. C'est ça. Alors, pareil, si c'est la première fois que vous jouez à Kahoot, vous avez des points quand vous mettez la bonne réponse. Et au plus vous répondez vite, au plus vous avez de points. Précipitez-vous pas, mais il faut effectivement se dépêcher. Oui. Et il y a aussi, si je ne dis pas de bêtises, des suites. C'est-à-dire que si vous enchaînez les bonnes réponses, vous avez des petits bonus également. Donc, c'est ça. Et puis vous aurez aussi des questions à choix multiples. Ça sera précisé à ce moment-là. On va continuer tranquillement. Ouais. Alors, attendez. Ah oui, parce que c'est pas ouf le partage d'écran. On améliorera ça pour les prochaines. Oui. Bah, de toute façon, tout le monde. Quel studio n'a jamais appartenu à Microsoft? Bungie, Rare, Bizarre Creation ou Mojang. Allez. Donc celui qui n'a pas été possédé par Microsoft en l'occurrence. À aucun moment. À aucun moment, a priori. Celui-là n'a jamais fait partie de l'histoire des Microsoft Studios. Ah là, ouais, ça. Une majorité. Ça. Bizarre Creation. Alors, Bungie a bien appartenu à Microsoft, hein, et ils se sont séparés à l'orée des années 2010. Rare, bah, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, ça appartient à Microsoft, et Mojang également. Donc, restez Bizarre Creation, qui sont les créateurs de Project Gotham Racing, studio qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est bien triste. Tellement ils étaient trop forts. On en reparlera en Xbox Corner, je pense. Allez, question suivante. Allez. On va passer rapidement sur les tableaux de score qui bougent beaucoup au début. C'est ça, vous les voyez rapidement, mais on fera des petits focus dessus à des moments. Vrai ou faux?
Rare a été le premier studio de jeux vidéo racheté par Microsoft. Est-ce que ça a été le premier racheté par Microsoft? C'est tellement dur, c'est tellement dur. Mais non. Franchement. En plus, j'ai envie de répondre. Mais il faut que j'attends 5 secondes. Réponse. J'attends 5 secondes. J'aurais dit vrai, mais je me suis dit, voilà, tu vois. Putain, mais c'était quoi? C'était quoi? Dis-moi. C'était Bungie le premier à être acheté. Ah putain. Non, mais à cette époque déjà? Le premier à être acheté, c'était Bungie. Avant Rare, c'était Bungie. Il faut que j'aurais dû me prendre un truc de quoi noter pour faire des réclamations à la fin, je suis pas sûr. Ouais, tu peux regarder, il n'y a pas de souci. Si jamais ça marche, je la reconnaîtrai, mais tout est sourcé, évidemment. Question suivante. On a la possibilité de rejoindre le quiz, même si ça a déjà commencé. Bien entendu, Théo, n'hésite surtout pas. Tu as les éléments qui sont rappelés dans le chat à chaque fois. Réponse quel studio suivante. À l'origine de la licence Forza Motorsport. Ah ouais, donc là, il faut écrire. Alors, c'est ça. Quel studio a été créé par Microsoft en 2003 pour créer Forza Motorsport, pour créer un concurrent à Gran Turismo à l'époque? Là, il faut l'écrire. Attention à l'orthographe. Il y a toujours. Et donc, du coup, pour rejoindre le quiz, parce que ce n'est pas marqué à l'écran, c'est kaout.it. C'est noté sur le chat. T'inquiète pas, c'est sur le chat. Exactement. Le bot s'en est occupé. Nico s'en est occupé aussi. Tout le monde a pu le mettre. Donc, pas de problème là-dessus. C'est Turn 10. Alors, Playground Games, ils se sont occupés, eux, de Forza Horizon. Et ça n'a pas été créé par Microsoft, en l'occurrence. C'est un studio qui a été créé par ses fondateurs, mais rien à voir avec Microsoft. Turn 10, par contre, a vraiment été mis sur pied par Microsoft. L'objectif, c'était d'aller titiller Polyphony Digital sur son terrain du jeu de bagnole. Allez, on passe à la suivante. Pardon. Du coup, juste pour répondre à Abdou, qui dit « J'ai jamais eu Xbox, ça va être compliqué. » T'inquiète pas, l'actu va arriver un peu plus à la fin. Quelle fut la toute première production de Ninja Theory sur Xbox? Kung Fu Kao, Enslaved Odyssey to the West, Hellblade, Senua's Sacrifice ou Heavenly Sword? Petit piège, parce qu'en fait, ça s'appelait pas Ninja Theory à l'époque. Voilà. C'était la même équipe, exactement. C'est juste le nom qui a changé, du coup. Exactement, ils ont juste changé de nom. Et c'est effectivement Kung Fu Kao. Il y a une large majorité qui a répondu Kung Fu Kao. 11, c'est bien, bravo. C'est sur Xbox, c'était sur la console originale. Hein. Quand on dit sur Xbox, c'est pas Xbox en général, c'est la toute première Xbox. Exactement. Heavenly Sword, c'était un jeu PS3, hein, pour le coup. C'est ça. Et Enslaved, qui est sorti sur Xbox 360 et qui était très bon aussi. C'est ça. On peut passer à la suivante, pas de souci. Ouais. Alors, je ne donne pas le nom du studio parce qu'il y aura peut-être une question là-dessus plus tard. Donc, je ne dis rien. Bon, en tout cas, on a sous 57 Akula qui maintient sa place pour l'instant. Allez. Alors, bah, Franck, on arrive à quelle question? Franck, qu'elle puisse grimper. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit détour par Franck? On va en faire encore une petite et puis on le prendra juste après. Ah, bon, bah, je voulais le féliciter. Je voulais le féliciter pour les 6 places gagnées. À tout de suite, Franck. Voilà, il peut même pas réagir. Même pas. Non. Allez, question suivante. Avant d'être connu sous le nom de Ninja Theory, le studio de Cambridge portait un autre nom. Lequel était-ce? Voilà, je ne disais rien. Est-ce que c'était Just Add Monster? Est-ce que c'était Monster Inc., Shadow Moses, pardon, ou Cyber Age? Donc là, vous allez cliquer sur la bonne réponse. Et ça, c'est quoi? C'est Kung Fu Kao, justement le... Et c'est Kung Fu Kao qu'on voit à l'écran, oui, exactement. Où on parle d'un... Comment on appelle ça? Des personnes qui font des cascades, d'un cascadeur, du coup. Et c'est là que je montre mon ignorance sur les jeux de la première Xbox. Honte à moi. Ah, écoute, il y a un superbe... article superbe, sur Xbox. Exactement. Sur ce jeu-là qui a été signé Sushi. Et c'était Just Add Monsters, effectivement. C'était ça, le premier nom de Ninja Theory, qu'il l'a changé après pour se concentrer plutôt sur des jeux narratifs. Alors, beaucoup de commandes aussi pour Ninja Theory avant, mais ils ont changé effectivement leur fusil d'épaule. Ils sont passés sur des jeux un peu plus narratifs, sur des expériences différentes. On va peut-être aller récupérer Franck, du coup. Allez. Allez. Rototop, oui, bien sûr. Aucun problème pour faire un Xbox Corner sur les séries, sur leur puissance, sur leur capacité, etc. Il y a des choses qu'on essaye de faire, d'aller chercher aussi des développeurs, des choses comme ça. Donc, pas de problème. On va essayer de faire ça. Alors, Franck, cette première salve de questions, et dans le chat aussi, n'hésitez pas. Comment vous sentez? Comment vous
Parce que c'est trop compliqué, ça va, ça passe. Bon, c'est pas trop compliqué, mais c'est sûr que bah, faut avoir les connaissances. Donc, je les ai pas forcément toutes, notamment sur la dernière question, c'est un petit peu du pif, mais bon, c'est très intéressant d'apprendre tout ça. La place sur Xbox Squad est en jeu. Hein. Si t'es pas dans le top 50. le but, c'est aussi d'apprendre des choses. Si vous avez toutes les questions, toutes les réponses à toutes les questions, bah vous n'allez pas apprendre beaucoup de choses. Le but, c'est aussi d'en apprendre un petit peu, justement, de se dire, mais tiens, je ne sais pas ça, comment ça se fait, etc. Donc voilà. Et quand tu as commencé à suivre l'actu Xbox depuis 2019, alors ça n'empêche pas de s'intéresser aux autres branches avant, hein, si tu étais joueur Sony ou joueur Nintendo, etc. Mais il y aura aussi des questions différentes un petit peu après. Voilà, là, on fait des petits focus sur l'histoire. Pour apprendre quelques anecdotes, Ninja Theory, il s'appelait Just Add Monsters, c'est pas mal. Tu te situes où, Franck ? Tu l'as vu sur le classement ? 11e place, bon, c'est pas mal, sur 22, 23, 24, je ne sais pas combien en tout. Ouais, je crois qu'on est une vingtaine, oui. Ouais. Donc ça remonte, surtout sur les dernières questions, merci les fiches de jeu. Skywars, j'avoue que j'ai hésité sur certaines questions, je me reproche doucement, mais sûrement de la dernière place. Oh, il y en a des plus simples après. Et okay, ben on va passer à la suite. Parfait, bah oui, on va continuer tranquillement. Franck, on te reprend tout à l'heure. Ça marche. Ah, c'était brutal. Pardon. Alors, sous 57 à couleur, il est au top, lui, par contre. Il a squatté la première place tout de suite, il la lâche plus. Petite question sur Compulsive Game, qui a été fondée en 2009 et qui n'aurait jamais vu le jour sans la faillite d'investisseurs de Taïwan. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Choix simple, mais question difficile. Hein. On va revenir un petit peu sur comment ça s'est créé, mais du coup, est-ce que c'est ça l'élément déclencheur ou pas? C'est ça la question, et puis on va en parler un petit peu après. Ça me saoule ces questions. c'est bon, j'ai juste de la chance. C'est tellement improbable qu'on a envie de dire vrai. Eh ben, exactement, ça vous pouvez le retrouver du coup, hein, je le disais sur Xbox Squad, sur le dossier dédié à Compulsion Games. En fait, pour la création de Compulsion Games, pardon, j'ai ma caméra voilà, qui se remet bien. J'ai plus le nom, j'ai plus le nom du créateur. Bon, c'est pas très grave. Le fondateur, Guillaume Provost, le fondateur de Compulsion Games, en fait, a été démarché par des investisseurs taïwanais qui lui ont dit, OK, banco, nous, on a plein d'argent, on veut créer un studio, on veut que tu sois le boss du studio, on veut que ça soit toi qui crée ton équipe, etc. Et donc lui, il a dit OK. Il était à l'époque chez Arkane Studio à Lyon et il a dit ben, je me barre, je démissionne, je vais aller fonder mon studio. Et en fait, il avait trouvé l'appart, il avait vendu le sien sur Lyon, il avait changé son gosse d'école, etc. Tout était prêt. Et alors, je ne sais plus, une semaine, 10 jours avant, il y a les investisseurs taïwanais qui disent bon, c'est la crise financière, on est en 2008. Non. 2009, là, en l'occurrence, mais la crise financière de 2008, on n'a plus un rond, donc c'est fini, on n'y va pas. Et là, du coup, le fondateur de Compulsion Games dit « Bon, moi, je me suis barré de Arkane. Eh ben, c'est pas grave, on va aller à Montréal, on va aller créer un studio là-bas. » Et il s'est retrouvé là-bas, tout seul, à monter sa boîte, Compulsion Games, à aller chercher des fonds via, justement, les aides du Canada, à aller embaucher, etc., à aller pitcher les premiers jeux. Et ça donne ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, un Xbox Game Studios en à peine 10 ans. Donc, chapeau. Mais voilà, ça s'est joué sur un coup du destin. Ça aurait pu être un studio taïwanais. Ouais, et je ne savais pas que c'était à l'origine un mec français qui avait créé le studio. Donc j'apprends ça au passage aussi. Exactement. Il était chez Arkane Studios. Voilà, c'était la petite anecdote pour ce studio-là. On revérifiera le nom parce que je ne sais pas pourquoi je galère sur le nom. Je suis pas sûr du tout d'avoir donné le bon nom. Je vais vérifier en même temps parce que moi, ouais, les noms, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Allez, Guillaume Provost. Non, c'est bon. J'avais donné le bon. On voit qu'Akula a perdu quelques plays. Ça commence à bouger au niveau du top. Commence à être compliqué. Allez, passons à la suivante. Petit quiz. Le nom du studio 343 Industries fait référence à un personnage de l'univers Halo, au numéro du bâtiment qui héberge le studio, à l'heure à laquelle la création du studio fut définitivement actée par Xbox, ou au premier prototype de jeu Halo réalisé par Bungie.
Donc 343 Industries, à quoi ça fait référence? J'ai envie de le dire, je sais. Mais non, faut pas le dire. Un personnage, il y a beaucoup de... Ouais, franchement, je pensais que c'était... Alors, ça aurait pu, hein. Franchement, ils aiment bien des fois mettre des adresses, des choses comme ça, et trouvent des choses un petit peu... Ça fait... En réalité, ça fait référence au monitor, le petit robot bleu qui est le surveillant, on va dire, l'intendant des installations Halo, en fait, dans le jeu Halo, qu'on voit dès le premier Halo de mémoire. Et donc, voilà, la petite boule bleue luminescente, là, qui s'appelle... 343 Guilty Spark, pardon. Voilà, c'est ça, Guilty Spark. Ce que disent Jess et Zirka dans le chat, c'est donc voilà, c'est ce petit personnage-là qui donne le nom du coup au studio qui a été créé quand Bungie est parti, du coup, et donc ce studio-là qui est dédié à la création de jeux Halo, de jeux dans la licence Halo. Exactement. Est-ce qu'on peut partager mon écran quelques instants, Nico? Ouais, vas-y, tu peux faire la demande. Allez, on va faire ça. Est-ce que je te l'affiche. Ça, je vais désactiver l'écran du Kaout pour l'instant. J'affiche, c'est juste pour tout de suite. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, vous avez, je le disais, hein, sur Xbox Squad, des dossiers. Donc là, sur 343 Industries, vous pouvez les rechercher sur le site, ils sont dispo dans le menu. Vous pouvez les rechercher via Google, ils ressortent relativement assez facilement. Et vous avez des dossiers qui vous apprennent tout ça. Les débuts, pourquoi ça a été créé, comment ça a été créé, quels étaient les intervenants, Bonnie Ross, une rapide description, etc. Donc voilà, il y a un peu de lecture sur 343 Industries, hein, vous voyez, je suis au milieu de la page avec le scroll. Donc, il y a un peu de lecture, on reprend tout, différentes périodes, le Halo 4, le Halo 5, etc. C'est pas le seul, hein, il n'y a pas que 343 Industries. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur tout ça. Le week-end vient de se terminer, voilà. Mais pour le week-end prochain, ça fait une belle lecture. Ouais, non, mais complètement. Donc, j'arrête de polluer. Mais comme ça, les gens. J'active ça. Et puis, c'est juste l'occasion pour nous de. Bah, avant la question suivante, quand même, de voir que je viens d'arriver dans le top 5, a priori. Et voilà. Il faut s'arrêter là-dessus, quand même. C'est important. Allez, Mitch. Mitch, qui est super bien placé. À Touma aussi. Yes. Troisième. C'est bien. Skywars, j'ai vu qu'il reste 4. Donc là, c'est la valeur pour laquelle Microsoft a racheté le studio suédois Mojang, donc à l'origine de Minecraft, en 2013. C'est ça. Et combien c'était, je ne sais plus. 1,5 milliard, 2,5 milliards, 4,5 milliards ou 7,5 milliards de dollars. Ah. Quel est le montant qu'a déboursé Microsoft pour J'hésite racheter... entre les deux du milieu, là. 2,5 et 4. Bah, j'ai mis 2,5. Ouais. Et j'ai perdu une place parce que j'étais trop long. C'est 2,5 milliards, exactement. 2,5 milliards pour Mojang. Les 7,5 milliards, évidemment, ça fait référence à ZeniMax Media, Bethesda, là, il n'y a pas très très longtemps. En 2013. Je vais pas en dire plus parce que il me semble qu'il y a encore une autre question sur Mojang, mais je suis plus sûr. Ça marche. Est-ce que tu as les chiffres du rachat? Parce que moi, j'ai 2 milliards en tête pour le rachat de YouTube par Google. J'ai pas ça, du à l'époque, tout. Alors, non. J'ai pas du tout le montant. Non, je suis là. J'ai ça en tête, mais du coup, ça laisse un peu le. Bon, après, c'était pas du tout la même époque, etc. Mais ça montre un peu aussi le poids du truc, quoi, au moment où c'était racheté. On va passer à la question suivante. Ah, yes. James Bond qui fait son entrée, le patron XA qui est là, ouais, et ouais, sous 57, Akula qui reprend la tête. C'est beau. James Bond qui m'a piqué ma place, c'est ça, hein, n'est-ce pas? Voilà. Question suivante, je ne sais plus si c'est toi qui l'avais lu ou moi, mais donc je continue. Avant de se consacrer à la licence Gears, The Coalition a connu bien des noms. Et comment il s'appelait avant ça? Plusieurs réponses possibles. Est-ce qu'il y avait Zipline Studios? Est-ce qu'il y avait Microsoft Game Studios Vancouver? Est-ce qu'il y avait Black Tusk Studios, pardon, ou Relic Rescue? Il y a plusieurs réponses pour celle-ci. Ah, heureusement que tu l'as dit parce que je serais passé à côté. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et juste pour répondre, du coup, c'est 1,65 milliard de dollars le rachat de YouTube par Google. Effectivement, Minecraft, c'est assez colossal. Oh putain, c'était super dur comme question. Oui, celle-là, elle était chaude, j'avoue. Alors, je rassure, vous allez avoir des points si vous avez donné au moins une bonne réponse. Oui. Hein. Il ne faut pas forcément donner les trois ici. Il y a eu les trois. C'est un studio qui a énormément changé de nom, quatre en l'occurrence, quatre fois. Ça a été d'abord
Microsoft Game Studios Vancouver, pour ensuite s'appeler ZBlind Studios, puis Black Tusk Studios. C'était d'ailleurs le nom d'un projet qui avait été révélé à l'E3 2012. J'allais dire 2013 avec le quand ils ont dévoilé la Xbox One, du coup. Je crois que c'est 2013, oui. Ouais, et Relic Rescue, par contre, je l'ai inventé, ce n'est pas un vrai nom. ZipLine, du coup, c'était avant Micro. Non, c'était d'abord MGS Vancouver, avant d'être ZipLine, ok. Ouais, le ZipLine, je l'avais vraiment pas du tout. Non, mais voilà. Ça a beaucoup changé de nom avant que ça soit effectivement dédié à la saga Gears. Ah ben, en plus, je vois Franck et Achaïka avaient dit 1,65 milliards. Il l'avait dit sur le chat. Ouais. Magnifique. Red War, notre streamer résident qui gagne 4 places. Parfait. Bonsoir, la menace. Comment vas-tu? N'hésite pas à te joindre à nous hein, sur le trivia. Computer Games, on en parlait tout à l'heure, a créé 2 jeux depuis sa création en 2009. Lesquels? Là aussi, question à choix multiple. Est-ce que c'est Contrast? Est-ce que c'est Bleeding Edge? Est-ce que c'est We Happy Few? Est-ce que c'est Renogun? Il y a plusieurs réponses dans cette question. Et les mauvais jeux ont été bien choisis, j'ai failli me planter. Contrast et We Happy Few, exactement, ce sont les deux qui ont été réalisés par Recompulsion Games. Alors Contrast en 2013, Michel qui reprend la première passe, c'est beau. Contrast en 2013, We Happy Few qui est sorti sur toutes les consoles en 2018, en août 2018, avec des DLC dans la foulée. On va passer à la question suivante tranquillement, et puis après on prend notre ami Franck. Ça marche. Tim Schafer, qui a créé Double Fine Productions après avoir quitté les équipes de LucasArts, c'est un vrai ou faux? Exactement, vrai ou faux. Tim Schafer, Double Fine Productions, on le connaît bien maintenant. D'ailleurs, il y a eu l'Amnesia Fortnite il n'y a pas longtemps pour ceux qui suivent ça. Est-ce qu'il faisait partie des équipes de LucasArts avant de créer sa société? Tip, tip, tip. Il nous faudra une petite musique d'ambiance. Surtout que celle de Chaos est quand même insupportable, donc il faudra qu'on voit comment on fait pour mettre une autre musique d'ambiance. C'était vrai, effectivement. Ouais. Et quand on voit les jeux Double Fine et les jeux LucasArts, on se doute qu'il y a quand même une filiation quelque part. Exactement, exactement. Je suis en train de regarder. H.I.K. Zirka on Fire. Mitch, range tes notes. Est-ce qu'il triche, Mitch? Non, il n'est pas comme ça. On va peut-être prendre Franck, voir un petit peu comment ça se passe. Alors, on a qui? Mitch, le patron XA. Alors, le patron XA, c'est qui dans le chat? Si tu es dans le chat, est-ce que tu peux te manifester que je vois à quel pseudo ça fait référence? Jess Bond, Nico, JTB. Franck, comment ça se passe? C'est un peu plus tendu, là. C'est en sueur. Games. C'est pas le studio que je connais le mieux. Donc, t'es en quelle position, là? 13e. 13e. Rien n'est fini, t'inquiète pas. XA, c'était pour Xbox Arena, Fab. Ah oui, le patron Xbox Arena, c'est d'accord. C'est Zirka. Joli Zirka, joli, très joli score. Y a une question qui t'a particulièrement bloqué où t'as fait de quoi on me parle? Sur les anciens noms de The Coalition, c'est vrai que MGS Vancouver, j'avais des doutes, mais en fait, j'ai pris ça et puis la seule mauvaise réponse. Donc je me suis dit, voilà. Pas de bol, pas de bol. Bon, j'espère que tu as appris des choses aussi. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Non, logiquement, tu n'es pas censé en apprendre, tu as lu tous mes dossiers, Franck. Attends, moi, je vais poser une question qui est pire que ça, Fab. Est-ce que le dossier Z-Initiative est en ligne ou pas? Tu parles à moi ou à Franck? Oui, à toi, Fab. Bon. Non, Z-Initiative, il n'est pas encore en ligne. Je me suis dit, j'adorerais le lire, mais du coup, je me suis dit, s'il l'a mis en ligne et que je ne l'ai pas lu, je vais me faire afficher, mais non, ça va. Okay. Non, il est pas encore en ligne pour deux raisons. C'est d'une qu'ils ont montré leur jeu tard et je voudrais quand même avoir un peu de matière là-dessus. Et deuxièmement, c'est qu'on essaye de faire un peu mieux encore sur ce dossier-là avec quelques éléments, mais voilà, on verra quand ça sera en ligne. Je peux virer des gens, a priori. Il y a Sheika qui dit « J'ai dépassé Franck, comme sur la piste. » Petit tacle au passage. Oui, il y a bien que sur Formula, sur la F1 qui me double. Hein. Est-ce que tu as un classement un peu plus large que ça, toi, Nico, ou pas? J'ai pas l'impression. Attends, je regarde l'écran, mais mettre fin au quiz, non. Tableau des scores, non, j'ai pas mieux. On arrive bientôt.
sur la fin de la partie histoire. Du coup, on va peut-être aller jusqu'au bout et puis on fera une petite halte au moment. J'ai appuyé sur suivant et on laisse Franck pour tout à l'heure. À toute, Franck. À toute. Du plus ancien au plus récent, quels furent les noms donnés aux studios Xbox au fil du temps ? Par les noms des studios, c'est l'entité qui englobe tous les studios. Du coup, ces quatre-là ont été donnés, ah, oui, mais dans quel ordre ? Est-ce que ça s'est d'abord appelé Xbox Game Studios, Microsoft Game Studios, Microsoft Studios, Microsoft Game ? Voilà, du plus ancien au plus récent. Donc, dans l'ordre chronologique, quels ont été les noms de cette structure ? Donc là, il faut faire glisser... Exactement. Je ne sais plus comment ça marche, mais voilà. C'est du drag and drop. Vous prenez, vous faites glisser, et puis voilà. Ah, pouf. Je ne sais plus. Ouais, j'avoue que sur celle-là, je pense que même moi, qui ai fait le dossier, qui ai fait les questions, j'aurais une hésitation. Donc là, il y a un petit peu plus de temps. 22e, c'est pas cours de route. T'inquiète. Bah oui. Je remets le livre. J'ai pas suivi tout le chat et je suis désolé, à un moment, j'ai une petite coupure sur le live. Je vous remets le lien si jamais besoin. Suffit de faire, si j'ai bien compris, suffit de faire point d'exclamation trivia et ça revient, c'est ça ? Alors, c'est quoi cette jauge là ? 95%, 5%, je ne sais pas. 5%, c'est ceux qui c'est ont. C'est les mauvaises notes, ouais. Putain. Oh punaise, vous êtes 5% à avoir eu bon. Et il a eu bon, notre ami Nico. Voilà, donc l'ordre, c'est Microsoft Games, Microsoft Game Studios, Microsoft Studios, Xbox Game Studios. Voilà, c'est une des plus compliquées, hein, je vous l'avais dit, il y en a quelques-unes comme ça. C'est ça l'ordre, aujourd'hui on les appelle Xbox Game Studios. On verra si à l'avenir, Bethesda, on l'appellera Xbox Game Studios. Et Nico est fier parce qu'il nous passe devant Circa, il nous fait une percée et il se rapproche très rapidement de Michel. Ok, allez, question suivante, on enchaîne. Et on passe à l'ère Xbox Game Studios, c'est ce que tu disais. Voilà, exactement. Petite... Donc là, on va être sur des choses beaucoup plus récentes. Hein. L'Xbox Game Studios, c'est depuis 2018. Donc on va être sur des éléments beaucoup plus récents. Ça va peut-être être un peu plus jouable pour certains. Allez, c'est parti. Lors de quel événement le rachat de In Exile, les papas de Wasteland, The Bard's Tale, etc., fut-il annoncé ? Est-ce que c'était à l'E3 2018, au XO 2018, à l'E3 2019 ou au XO 2019 ? L'E3, c'est à Los Angeles. C'est en fonction des années. Non, c'était si tard. Attends, mais t'es sûr ? C'est au XO 2019 que ça a été annoncé. J'étais sur place, il y avait Zirka, il y avait David. Est-ce que c'était cette année-là ? C'était pas l'année d'avant. Cette année-là. Ok. C'est au XO 19. Ok. Vas-y. Question suivante, je ne dis rien parce que la question suivante va encore jouer sur des dates. Alors du coup, j'en parlerai. Skywars qui fait une belle remontée aussi. Bien joué, 9776. On passe à la question suivante. Cette fois-ci, non. On va poser. Pardon, vas-y. Je... Cette fois-ci, on va poser la question d'un autre Xbox Game Studios. Lors de quel événement fut annoncé le rachat d'Obsidian Entertainment cette fois ? L'autre faiseur de RPG. Alors, je veux dire, l'autre faiseur de RPG des Xbox Game Studios, mais maintenant ils en ont tellement qu'ils ne sont plus que deux. Obsidian. Là, c'est une réponse libre. C'est à vous de l'écrire depuis votre téléphone, depuis votre clavier. Vous le notez directement. J'ai un doute quand même sur le XO 18, XO 19. Mais bon. C'est pour ça que j'ai rien dit. C'est que t'as raison. XO 19, hein. Bon, ça va. C'était bien le 19. Ouais. Et donc, le rachat. Oh, il y a eu plein de réponses. E3, Mexico 018. Et en fait, c'était le XO 19. C'était le X019. Ils ont été annoncés en même temps. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît ? Ouais, mais là, je suis dégoûté. Ah bah oui, c'est dommage. Alors, juste après le classement. Juste après le classement où on voit que Ju va bien. Et sont arrivés sur le top 5. Zirka qui fait de la résistance. Voilà, ils ont été annoncés en même temps. C'est ça l'image qui a fait la une, si on peut dire, à l'époque.
le rachat d'Obsidian, c'était le rachat d'InXile. En même temps, Obsidian avait un petit peu fuité dans certains cercles, dans certains forums, etc. InXile, pas du tout, c'était vraiment la surprise complète et totale. Et donc, c'était XO19 tous les deux. C'était il y a bientôt 2 ans, donc c'était il n'y a vraiment pas si longtemps que ça. XO18. Il y a marqué XO18. En haut, effectivement, tout. Tout le monde écrit, dit que c'est XO18 sur la slide, mais attends. Ah, mais oui, j'ai noté XO18. Parce que sur la bonne réponse, c'était XO19. Et non, Obsidian, du coup, si ça a été en même temps, c'était XO19. C'est juste que tu t'es trompé sur la slide, mais c'est pas grave. Je vérifie en temps réel, puisque effectivement. Non, c'est XO18. C'est XO18. Ouais. C'est XO18. Du coup, en l'argent. Deux XO18, mais oui, mais complètement. Donc, ce n'est pas une erreur sur cette slide-là, c'est sur la slide, enfin, la question d'avant. Ben voilà, j'ai ripé en cochant le bon truc. Mais tu fais avoir sur les deux, du coup. Mais à coup de pas, c'était XO18. En plus, je vois Microsoft Studios, mais oui, 2019, ça s'appelait Xbox Game Studios. Honte sur moi, c'est moi qui ai paramétré le caout et c'est moi qui ai fait l'erreur, du paramétrage. Vous voyez ? Allez. Un scandale. Comment s'appelle le prochain jeu commercialisé? Double Friend Productions. Et là, il faut qu'on tape. Ah putain, mais je ne suis plus du tout sur le site, moi. Il faut noter. Comment s'appelle le prochain jeu commercialisé par Double Friend Productions? Je suis vraiment désolé, je suis vraiment confus de cette erreur. Veuillez m'excuser. C'est XO18, vous l'avez vu sur la slide en plus, hein, c'est bien noté. Sur le caout, j'ai mal géré le truc. Promis, pour le prochain, ce sera plusieurs à relire parce qu'on n'a pas fait le boulot de rédaction et de relecture non plus. Et ça, c'est moche. Je prends la faute également. Je suis pas fier de moi. Bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. C'était le XO18, bien sûr. Ah, moi, le pire, c'est que j'ai vérifié le truc et j'ai dit non, c'est bon, c'est le XO19. C'est pour ça. Je suis vraiment en confiance. Efficace, franchement, nickel. Hein. Il me met en confiance, mais non. C'était Psychonauts 2. Enfin, c'est Psychonauts 2, le prochain jeu qui sera commercialisé par Double Fine Production, qui sera édité par les Xbox Game Studios. On ne sait pas encore quand ça arrive. C'est prévu pour cette année. On ne sait pas encore quel mois. J'aimerais bien qu'il nous fasse un petit remaster du premier. Pourquoi pas, ma foi. Sur ces réponses-là, juste attention à chaque fois à l'orthographe. J'ai pas vu s'il y avait des réponses qui s'en approchaient, mais effectivement, on est limité dans le nombre de réponses acceptable sur les réponses où vous notez la question, où vous notez vous-même la réponse, et du coup je peux en mettre que 4 au maximum, donc j'essaye à chaque fois de me dire, alors si on met une majuscule, si on met un espace, mais faut faire attention effectivement à la manière dont on écrit ça. Du coup, Nico XS, Jess Bond, Skywars, JTB et Mich qui sont sur le classement, il va y avoir des réclamations à la fin, je suis sûr. C'est parti, on enchaîne. Nico, réponse libre, encore une fois, faites attention à la manière dont vous l'écrivez. Comment se nomme le dernier studio créé par Microsoft, hors rachat? Un studio créé par Microsoft. Alors, Nico concentré, t'as pas la réponse, Nico? Nico, je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus, très cher. Alors, est-ce que c'est moi qui n'entends plus rien? Je ne t'entends plus. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous entendez Nico, si vous m'entendez moi, s'il y en a un des deux que vous n'entendez plus? Parce que moi, je n'ai plus le retour de Nico. C'était bien The Initiative. Hein. On a perdu Nico. Nico, on ne t'entend plus. Est-ce que tu ne t'es pas mis en mute, très cher? Mauvaise réponse. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est surtout de t'entendre, Nico. Est-ce que tu peux revérifier ta connexion, enfin, ton branchement, je ne sais pas. Ok. Tout le monde m'entend, mais pas Nico. Petit problème technique. C'est dommage, ça fonctionnait très bien jusqu'ici. Et en plus, tu ne peux pas te déconner. Ah! Je crois que je t'entends. Non, c'est revenu. Non. Si, c'est si, revenu. Ok. Allez. Mais par contre, on m'entend plus sur le bon micro, mais bon, c'est pas. Exactement. On sent la différence de son. Hein. On sent la différence de son. Est-ce que peut-être tu peux baisser un petit peu ta balance sur l'outil? Parce que j'ai l'impression qu'on t'entend beaucoup plus fort.
J'ai mon ordi qui commence à peiner, en fait. C'est un peu le problème. Ah, bon, bah, t'embête pas. Attends, je vais mettre déjà les scores en attendant. Hop. Ok. Alors, on a quoi ? On a Michel qui reste toujours en haut. Michel, il quitte plus la première passe. On ne voit plus, alors j'ai pas retenu sub 57, j'ai pas retenu le pseudo en entier. Il n'est plus dans le top 5 hein, depuis un petit moment, on n'arrive pas à le revoir. Jess Bond, Skywars, Nico qui est pas loin, c'est bien ça. Et Juve va bien. Juve va bien, pareil, n'hésite pas à te manifester dans le chat pour que je vois un petit peu qui ça correspond à chaque fois. Si tu es prêt, on passe à la suivante. Et après, on ira rechercher Franck, qui n'est toujours pas dans le top 5. Et je ne t'entends plus à nouveau. On a perdu Nico à nouveau. Su57 est 7e. Très bien. Ça, c'est parce que HIK est 6e ou 8e, peut-être. Allez, prochaine question. World's Edge est un studio en charge de la licence. Age of Empires, Microsoft Flight Simulator, Ori ou Perfect Dark ? Là, il suffit de choisir, hein, c'est une question simple. Nico, n'hésite pas à revérifier un petit peu tes sources de son au niveau du paramétrage. Directement sur l'outil, peut-être qu'il allait chercher ton micro ou un autre. Age of Empire, pour 16 d'entre vous, nickel, c'est bien ça. Ori, non, ça c'est du côté de... Alors c'est Microsoft qui gère, mais c'est Moon Studio le développeur. Et Perfect Dark, la licence est chez Rare et le développeur. Et chez The Initiative. Ah, ok, top, on peut passer à la suite, Nico. Prochain épisode de Age of Empires, c'est le 4. Ça sort au printemps, l'automne, pardon, 2021. On aura sans doute la précision à l'avenir. On va aller chercher Franck, si tu veux bien, même si tu as l'air d'être complètement figé. Écoute, j'ai l'impression que la technique de ton côté est plus bonne du tout. Bon. C'est compliqué du côté de chez Nico. On ne l'entend plus. Sa caméra galère. Son ordinateur galère. C'est la fin. Franck, tu es à l'antenne, je te le dis, avant que tu te cures le nez. Comment ça s'est passé, cette série de questions ? Bah, un peu mieux, ça, mais c'est toujours coup-ci, coup-ça, ça dépend le sujet. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une question qui t'a particulièrement peiné sur cette série-là ? Non, sur celle-là, pas particulièrement. C'est juste... Ouais, c'est... Il n'y en a aucune qui m'a spécialement marqué. Ok. Ouais, bon. Alors là c'est le moment où je commence à avoir peur en me disant est-ce qu'on va pouvoir aller au bout du truc ? Sinon, Nico, écoute, je garde Franck en direct. Si ça va pas de ton côté, on coupe ta cam, ça permettra peut-être de favoriser le flux, reste peut-être juste en son, ou même mets-toi en retrait complet, et puis on va continuer comme ça. Si à un moment tu sens que ça va mieux, que ton ordi ou ta cour reprend un peu le poil de la bête, tu viens nous rejoindre. J'espère qu'il m'entend. Il a tout quitté. Ouais. Il a quitté le caout aussi. Oh. Il a tout viré. Voilà. Bon bah, messieurs, dames, c'était un plaisir. Ah, c'est dommage, ça, ce petit problème de... Ça vient. Ça me peine. Bon, écoutez, c'est l'intermède pas musical en plus, puisque j'ai pas de musique en stock. On va attendre que se reconnecte tranquillement. Ouais, c'est peut-être à voir. Par contre, je vois deux manettes derrière toi, très cher Franck. Oui. La Red Pulse et la Shock Blue. Ouais. Tu comptes acheter la prochaine aussi, l'Electric Volt ? Il y a des chances, mais pour l'instant, je suis pas encore décidé. Ah, tu te réserves pour la Camo peut-être ? Elles sont magnifiques. Non, j'ai jamais été spécialement fan de celles à aspect camouflage. Mais non, mais celle-là, les deux-là, je les ai prises parce que le bleu et le rouge sont deux de mes couleurs préférées. Après, si j'en prends une nouvelle, ce serait vraiment une qui sortirait de l'ordinaire. Peut-être, enfin, sûrement la Elite série 3, si un jour elle paraît.
Et on verra. Il n'y a pas de raison, à mon avis, ça va arriver rapidement. Bah, j'espère moi, avec les bugs de la Elite Série 2. Oui, bon, oh, ça va, c'est du matériel qui coûte pas cher. Oui, bon, d'accord. Oui. La camo et la électrique sont vraiment chouettes. Hein. Moi, quand je vois les photos, à chaque midi, wow. Nico, retour. Est-ce que tu es vraiment de retour ou pas? Bon, a priori, non. Ça va être compliqué. On ne t'entend pas. Ton image est très mauvaise. Est-ce que tu as encore le quiz ouvert quelque part et est-ce qu'on peut le reprendre où il est, t'es, ou pas? Bon, grand moment de télévision. Ouais. Ça tombe bien, on n'est pas à la télé. Mais je ne sais pas du tout si techniquement ça va être possible de reprendre ou pas. Parce que c'était vraiment du côté de Nico. Moi, je n'ai pas la possibilité de récupérer, je crois, le quiz en même temps. Allez, on va se donner encore 5 minutes. Si ça ne fonctionne pas, bah écoutez, je serais vraiment désolé. Puis on devra s'arrêter là. Mais logiquement, le quiz, je pense qu'il est en train de continuer. Enfin, il doit tourner en arrière-plan. Donc il ne doit pas avoir de problème pour le récupérer, pour se remettre dans la partie, pour reprendre. Mais tant que Nico ne peut pas se connecter, il ne peut pas repartager ça. S'il ne peut pas repartager ça, on ne peut pas repartir, forcément. Et oui, oui, Zayo, moi aussi, je suis déçu, là. Je suis déçu. Ah, c'est bien, j'aurai le temps de corriger le XO19 pour la prochaine pour la prochaine fournée, du coup. Qu'est-ce que ça donne? À part que Nico va devoir acheter un nouveau PC. Mais c'est pas grave, il aurait pu réclamer un GPU en plus. Un GPU, on n'est pas à ça près. Hein, c'est à peu près la même chose. Bon. Mais écoutez, en attendant, à quoi vous jouez en ce moment? Dites-nous un peu, ou quels sont les. Même si l'E3 est encore un petit peu loin, quels sont un peu les annonces que vous attendez, les choses qui vous excitent, puisqu'on parlait des Xbox Game Studios, est-ce qu'il y a des choses qui vous hype, que vous attendez particulièrement? Moi, je dois vous avouer que j'attends tout particulièrement Compunction Games, justement, on en parlait tout à l'heure. Skywars Edge of Empire 4, j'ai cru le comprendre via ce qu'on m'a remonté du Discord. Moi, j'attends tout particulièrement Compunction Games, hein, je dois vous le dire. Ça va vous coûter cher, ça fera deux Xbox Trivia à la place d'un. Ouais. Judgment, Wolfenstein 3. Ce serait du côté de Machine Games, du coup, ouais. Sous Akula. Parce qu'ils sont déjà sur Indiana Jones. Ça a été annoncé au mois de février, je crois. Oui, c'était ça, c'était février. Il me semble, oui. Ah, ça y est, on a les scores. On a les scores. Alors, je pense que Nico s'est mis off et qu'on va avoir simplement ce truc-là. N'hésite pas, du coup, Nico, à dérouler si jamais c'est effectivement le plan que tu avais. Comme ça, je verrai la prochaine question s'afficher. Ça voudra dire qu'on est à nouveau parti sur ce trivia. C'est bien. Ça veut dire que la prochaine fois, on pourra faire une petite pause. Mais je vois pas l'affichage changer. C'est reparti sans être reparti. Ouais, oui, Happy Few 2018, on est en 2021, ça serait pas mal d'avoir des nouvelles de Compunction Games. Ouais, exactement. Ils ont un peu grossi, ils ont pris 15-20% d'effectifs en plus. Alors, c'est un petit studio, ils sont une cinquantaine maintenant, un petit peu moins de 50, je crois, en fait. Mais ils sont bourrés de talent, notamment de talent créatif et artistique. Alors, je suis surpris parce que je vois Nico sur le Twitch, mais je ne le vois pas sur le stream. Étonnant. N'empêche que Nico, si tu m'entends, n'hésite pas à le faire à distance et à juste passer aux questions suivantes. Je crains le pire. Envoie-moi un message. Ah, ça y est, c'est vraiment reparti. Allez, go. Quel studio appartenant à Microsoft a pour logo un enfant sur une balançoire? Est-ce que c'est Double Fine Production? Est-ce que c'est Playground Games? Est-ce que c'est Roundhouse Studios? Ou est-ce que c'est Compulsion Games?
On voit que l'ordinateur de Nico a du mal. L'image s'affiche petit à petit. Il faut du temps. On est revenu à un modem 56K. C'est Playground Games. Exactement. C'est le logo que vous voyez à chaque fois que vous lancez un Forza Horizon. Je pense que je l'ai mis vite fait hein, pour si jamais il y avait des doutes. JTB qui monte à la quatrième place. C'est beau. Le logo est là. Playground Games. Voilà. On voit bien l'enfant sur la balançoire. Bah oui, un Playground, c'est Playground Games. C'est, enfin, Playground plutôt. C'est la cour de jeu pour les enfants. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le parc de jeu pour les enfants. L'idée, c'était de s'amuser, de prendre du plaisir et de revenir aux fondamentaux du jeu vidéo pour Playground et pour ses créateurs. Nico, on peut passer à la suite encore si tu m'entends. Magnifique, mais quel homme. Réponse libre, à vous de noter la réponse directement sur vos claviers, sur votre téléphone. Quel est le titre de ce jeu développé par Dotnode Entertainment et édité par les Xbox Game Studios? Au plus vous allez vite, au plus vous avez de points. C'est parti. En espérant que l'image s'affiche bien. Oui, ça a l'air de bien s'afficher. Allez, voilà. Alors, au niveau des réponses, on a eu quoi? On a eu du Tell Me Why partout, mais bravo! 14 réponses sur Tell Me Why, bien joué. C'était ça, hein, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est bien ce jeu-là. Oui, le freeze de la caméra sur Nico est parfait. Je crois qu'on va aller le capturer. Il va en faire sa future PP sur Twitter. Ça va être parfait. Akula qui remonte, JTB qui est toujours là, Skywars, Jazz Bond. Ok, on peut. N'hésite pas à passer les classements à Nico. Vraiment, on fera des points réguliers dessus. Il n'y a pas de problème. T'as eu bon, toi, Franck ? Oui. Magnifique, oui. Magnifique. Voilà, ça va, c'est des questions assez simples. Oui, mais j'ai dit, hein, cette époque-là est un petit peu plus simple. Je vois que chez Nico, ça a beaucoup de difficultés encore. Compliqué. Classer ses studios par nombre d'employés du plus grand au plus petit. Alors, je ne vous demande pas le nombre d'employés, hein, mais simplement, effectivement, le plus grand studio parmi ceux-là, le plus petit studio parmi ceux-là, et puis les intermédiaires. Comme tout à l'heure, du drag and drop, hein, vous faites glisser pour pouvoir les classer. Vous avez un petit peu de temps. Je crois que c'est 45 secondes sur ces questions-là. Donc, prenez le temps de réfléchir. Playground Games, 343 Industries, The Initiative ou Turn 10. Lequel est le plus gros? Lequel est le plus petit? Alors, on a 30% de bonnes réponses. On a 30% de bonnes réponses. Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a eu qu'il est resté du temps. Ah oui, bah si tout le monde a répondu, peut-être ça a dégagé le truc. L'ordre, c'est 343 Industries. C'est le plus gros studio de Microsoft aujourd'hui. Ils sont plus de 500. Playground Games, qui a beaucoup grossi ces derniers temps. Qui a deux équipes, une équipe sur Forza et une équipe sur Fable. Turn 10, ils sont entre 100 et 150 chez Turn 10, et The Initiative, qui s'est construit il n'y a pas longtemps, ils ne sont pas encore une centaine. Ils doivent être 70, 75, quelque chose comme ça de mémoire. Donc voilà un petit peu le classement. Juste pour répondre à Abdou, qui demandait si on allait faire des lives de l'E3, oui, ça sera le cas. On peut déjà vous donner rendez-vous, il y aura des lives à l'E3. Il y aura un live avant, il y aura un live pendant la conférence ou showcase, et il y aura un live après, où justement, ben vous pourrez venir, il y aura des personnes qui viendront aussi, parler des attentes, parler de ce qu'on espère pour la conf, et après la conf, ben débriefer ce qu'on en a pensé, est-ce que c'est réussi, est-ce que c'est pas réussi, on espère que ça sera vachement mieux que la dernière. Un live hosté par Nico, on va peut-être choisir quelqu'un d'autre. Tu peux passer à la suivante, Nico. Tu l'avais, toi, t'as eu bon, Franck, sur cette question du plus grand? Non, j'ai inversé Turn 10 et Playground. Ah, ben voilà. Turn 10, c'est le studio historique et effectivement, on a tendance à penser qu'ils sont plus gros. Mais non, Playground a vraiment beaucoup grossi, notamment avec le projet Fable. Classer ces jeux par date de sortie du plus ancien au plus récent, à nouveau, vous faites glisser pour mettre du plus ancien au plus récent. Gears 5, Sea of Thieves, Forza Horizon 4, Wasteland 3.
Ouais, je vois un turn 10, effectivement, il y en a quelques-uns qui ont fait l'erreur dessus. Logique, c'est logique, encore une fois. On a l'impression que c'est le studio historique, mais ils ne sont pas tant que ça. C'est vraiment du côté de chez Playground où ça a beaucoup grimpé, puisque maintenant ils ont la charge de Fable également. Alors, 19 réponses. Eh, hey, pas mal. 50% de mauvaises réponses, 50% de bonnes réponses. Lord, c'était Sea of Thieves, c'est le premier à être sorti. Des 4, Forza Horizon 4 dans la foulée, Gears 5 et Wasteland 3, c'était tout récent, c'était en 2020. Franck, t'as eu bon là-dessus? J'ai inversé Gears 5 et Forza Horizon 4. Gears 5, je ne savais plus, c'était 2018 ou 2019. C'était 2019. C'était 2019. Voilà. La Toulousaine du 31, salut la Toulousaine. Comment vas-tu? Merci de nous rejoindre. Alors, à ce qui paraît, il y a un bot qui va se mettre et qui fait que je n'ai pas besoin de te remettre les liens si jamais tu veux faire la fin du trivia avec nous. Mais je vais quand même te recoller un petit peu ça. Et ben voilà, bim. Trop fort, Jazz Bond, il faut que je fasse un point d'interrogation trivia. N'hésite pas, Nico, déroule. Je te dirai si à un moment, il faut faire une pause sur les classements. Là, on voit Jazz Bond est devant. Michel, JTB, Akula et Skywars. On ne change plus trop à ce niveau-là. Avec l'acquisition du groupe ZeniMax Media, Microsoft a mis la main sur 7 studios, 8 studios, 9 ou 10 studios. Combien il y avait de studios finalement à reprendre dans le groupe ZeniMax Media? On le sait, il y avait Bethesda. Ça fait 1. Il y avait... j'ai mis l'image juste après. Donc c'était 8. Tu peux passer à l'image, hein, Nico, n'hésite pas. Vous êtes 11 à avoir eu la bonne réponse. Il y avait Bethesda, il y avait Matching Games, il y avait ZeniMax Online, id Software. Sachez-le, on dit id Software et pas ID Software. Roundhouse Studios, il me manquait encore Arcane Studios, bien évidemment, Tango Gameworks et AlphaDog Games qui est spécialisé dans les jeux mobiles. Voilà, donc c'est ça les 8 studios. Franck, je veux pas dire, mais ceux qui se sont trompés, honte à vous, parce qu'il y avait quand même l'image qui était juste au-dessus de la question. Hein. Il suffisait de compter les studios qui étaient sur l'image. Alors, justement, l'image était tronquée, ils n'y étaient pas tous. Là, l'image est complète, oui. Avec les noms des studios en dessous. L'image avant était tronquée en partie. Il n'y avait pas Dishonored ou Prey, je pense qu'il s'affichait, par exemple. Mais absolument. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà donc les 8 studios. On peut passer à la suite. La remontada arrive. Bah, écoute, on t'attend, Chloé. Il n'y a pas de problème. Ah, mais non, quelle erreur de ma part. Ben oui. Alors, pendant que Nico a mis l'image en plein écran et qu'il galère, on va éviter le plein écran à l'avenir, je crois, Nico. Allez, réponse. Il reste une vingtaine de questions. Sans doute un peu moins parce que je crois que j'ai mis des écrans de présentation. On l'a dit, 8 studios ont été rachetés. Combien de Xbox Game Studios y a-t-il en tout? C'est à vous de saisir la réponse. Vous l'écrivez directement. Le nombre de studios au sein des Xbox Game Studios et chez Bethesda, les studios first party. Alors, qui a eu bon? 23 réponses. Qui a eu bon là-dessus? Ah, ça ne s'affiche pas. Alors, je ne sais pas si tout le monde a répondu. C'est bon. 31, 21, 23. 21, c'est pas loin, mais c'est 23 la bonne réponse. Il y a 23 studios au sein des Microsoft Game Studios. Il y avait 15 Xbox Game Studios. Ça a été renforcé par les 8 Bethesda. On peut passer à la suite. 23 réponses, comme de juste, exactement H. Le classement qui évolue pas, c'est beau. Il y a quand même quelqu'un qui a répondu 31, donc si la personne a des infos sur de futurs rachats... C'est ça. Si vous connaissez les 8 prochains, on les prend. Ah ben voilà, ils sont tous listés là, on les voit. Hein. C'est des lignes de 6, 6 x 3, 18, on rajoute les 5 à la fin, ça fait 23. C'est beau. Ils sont tous là. Vas-y, passe à la suite, Nico. Passe à la suite. Ah oui. Ah, effectivement, 23 plus 8, c'est 23 au total. Ok. Aaron Greenberg est le directeur des Xbox Game Studios. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pendant qu'on voit l'image s'afficher de Aaron Greenberg et de Major Nelson,
Ou pas d'ailleurs, je vois que l'image ne s'affiche pas chez Nico. C'est pas très grave. Vrai ou faux, est-ce que c'est Aaron Greenberg qui est le directeur des Xbox Game Studios? Ok, 14 réponses, on est pas mal. 22 réponses. Est-ce que tout le monde a eu le temps de répondre? On va voir ça. Bien joué! Bien joué! C'est faux! C'est faux! Effectivement, c'est Matt Booty, le directeur des Xbox Game Studios, l'homme à la chevelure poivre et sel. Plutôt BG en plus, hein, Matt Booty. Tu le savais? T'avais la bonne réponse, ouais. Franck? Bah, talent! Quel talent! Quel homme! Aaron Greenberg, c'est le marketing, non? Ou la com? C'est ça. Ouais. Directeur du marketing, tu fais bien de poser la question. C'est le directeur du marketing, c'est lui qui est chargé de faire monter la hype sur les réseaux. Exactement. Et Matt Booty, lui, qui s'occupe des studios. Quel est le nom de ce personnage? Allez. Héros de deux jeux développés par Moon Studios. Il y a quand même pas mal d'indices là entre le personnage et puis le nom du studio. On en a déjà parlé tout à l'heure. Expert en chevelure. Tu peux me demander la chevelure de n'importe qui chez Microsoft. Je connais la coupe. Il n'y a pas de problème. La couleur, la teinte. Incollable. D'ailleurs, on fera Xbox Trivia chevelure Xbox Game. Et au sein de la squad. Et au sein de la squad aussi, même si tout le monde n'a pas encore des cheveux. Alors moi, ils sont un peu trop... moi, ça devient n'importe quoi. Du coup, c'est mis. Mais voilà, c'était Ori, et oui, Kuro, c'est la chouette qui est dans Ori, je ne sais pas qui, c'est étonnant, parce qu'en plus, Kuro, du coup, il faut avoir joué à Ori pour le savoir, donc étonné. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de lag, ça aussi, dites-le hein, dans le chat, on sait que l'écran, c'est compliqué, mais j'espère que ça n'entraîne pas du lag supplémentaire entre ce que vous voyez sur le quiz, ce que vous voyez à l'écran et ce que vous entendez. La sortie des jeux Xbox Game Studios Day One dans le Game Pass est effective depuis quand? La sortie Day One. Est-ce que c'est 2017, 2018, 2019 ou 2020? C'est pas nécessairement la date de disponibilité du Game Pass. C'est à partir de quand Xbox a dit « Ok, c'est bon, maintenant, les jeux Xbox Game Studios, c'est Day One sur le Game Pass. » C'était une belle annonce, ça. Ben j'avoue que c'est ça qui m'a fait craquer pour le Game Pass, personnellement. Et est-ce que t'as la bonne réponse, Franck? Normalement, oui. Qu'est-ce que tu as dit, dis-moi? 2018. Exactement, c'est 2018. C'est 2018. Et le... Ah, je vais peut-être pas le dire, le premier jeu à en avoir bénéficié, il y a peut-être une question derrière. Je ne vais pas le dire. Si vous l'avez, dites-le dans le chat. Tu peux passer à la suite, hein, Nico, n'hésite pas. Classement qui évolue pas, on a H qui est toujours dans le top 5, Akula qui est là en troisième place, qui est bien. On voit plus Zirka. On voit plus Zirka, mais il est où Zirka? Il est parti depuis que je lui ai volé des points sur le XO18. Allez, on passe à l'avenir avec ce magnifique concept art de Forza Horizon 5 au Japon. On passe à la suite, on passe à l'avenir des studios et on fait un classement par date. Classer ces jeux par date d'annonce du plus ancien au plus récent. Quel jeu a été annoncé en premier? Quel jeu a été annoncé en dernier? Comme pour les anciens, vous faites du drag and drop, vous prenez, vous faites glisser. À mon avis, vous avez la plupart, mais il y en a peut-être un qui va vous poser question. Hellblade 2, Fable, Project Mara, Perfect Dark, c'est quoi l'ordre? Qu'est-ce que tu mets, toi, Franck? Alors moi personnellement le plus ancien fait... quel est le premier jeu à avoir été annoncé? Hellblade 2. Ok, tu mets qui en suivant? Je ne dis pas si c'est bon ou pas. Project Mara. D'accord. Ensuite Fable et puis Perfect Dark. Exactement, c'est ça. Vous êtes 52% à avoir eu les bonnes réponses. Bien joué. Mara me bloque. J'ai inversé l'ordre parce que comme moi c'est sur mobile, du coup c'est en hauteur et pas en latéral comme à l'écran. Il fallait mettre Hellblade en premier, Project Mara, Fable et puis Perfect Dark, du plus ancien au plus récent. Depuis un moment en fait je fais complètement l'inverse. Ah bon, c'est compliqué effectivement. Oui. Je regarde parce que je vois, ça déconne, moi aussi je comprenais pas.
Alors dites-le, hein. Dites-le s'il y a des soucis, si ça devient vraiment compliqué pour jouer ou autre. J'ai mélangé Hellblade et Mara. Vas-y, passe à la suite, hein, Nico. Enchaîne. Si vraiment il y a un souci, je ferai une halte. Il n'y a pas de problème. Michel, Jazz Bond. Michel qui lâche un peu. Hein. Qui lâche un peu. Qui donne un peu de laisse à Jazz Bond. Project Mara était plus ancien. Ben non, c'est effectivement Hellblade qui accompagnait l'annonce. Le 2018 n'était pas validé en bonne réponse, me dit-on. On me souffle dans l'oreillette que 2018 n'était pas validé pour la bonne réponse en... sur les Xbox Game Studios. Je regarderai. Il y a peut-être eu un souci sur le code parce que nous, ça s'est bien affiché comme étant cette réponse-là. Quelle licence culte créée par Peter Molyneux est actuellement en développement du côté de chez Playground Games? Donc là aussi, il faut taper votre réponse. À vous de mettre ce qu'il faut. C'est bien fable, c'est bien fable. Hop, je regarde, 23 bonnes réponses. Ben voilà, voilà, tout le monde a bon presque, c'est beau. Il y a dû avoir une erreur ou quelqu'un qui n'a pas eu le temps. Je pense qu'il y a un petit peu de lag. Du coup, oui, mais c'est pas la première question qui déconne, ça fait 3-4 fois quand tu mets la bonne réponse et la compte comme fausse. Ouais, mais je crois que c'est à cause du lag du côté de chez Nico. Je pense qu'au niveau timing, il y a un petit souci et que du coup, il n'enregistre pas forcément votre bonne réponse. Ça doit être ça qui génère des petits pépins. Je suis vraiment désolé pour cette expérience-là. Enfin, on est vraiment désolé pour cette expérience-là. La dernière fois, ça s'était très bien passé. Là, a priori, il y a des petits soucis là-dessus. OK, on va passer à la question suivante. On va essayer d'avancer, histoire de terminer quand même à peu près dans les temps, malgré les petits pépins techniques. Ouais. Bon, après, très sincèrement, si vous savez que vous avez eu la bonne réponse, c'est ça qui compte. Hein. Les scores, ma foi, c'est un bonus. Mais effectivement, c'est le but, c'est de savoir que c'est que vous aviez la bonne réponse, que vous aviez la bonne info. Alors, petit quiz. Comment s'appelle le studio à l'œuvre sur le prochain State of Decay 3 qui a été annoncé au Xbox Game Showcase en juillet dernier? Est-ce que c'est Undead Labs? Est-ce que c'est Undead Entertainment? Est-ce que c'est Undead Prediction ou Undead Games? Quel est le nom du studio qui est derrière les State of Decay? Zayo qui dit oh ouais, non, mais moi depuis le début, je fais un sans faute dans ma tête. J'ai un petit peu de mal à la croire, celle-là. C'est Undead Labs. Bien joué. Aux 21 qui ont donné la bonne réponse, c'est Undead Labs, le nom du studio, qui est une petite équipe aussi, hein, qui va avoir là plus de moyens pour le 3. On va enchaîner. J'espère qu'on verra ce jeu à l'E3. Mais on est beaucoup à espérer ça, Théo. Enfin, en fait, ils ont tellement de jeux, ils ont tellement de studios qu'on espère tout voir, mais ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas, ils ont trop de choses à annoncer, ils ne peuvent pas tout faire dans une conf. Donc je pense que ça va être compliqué. Les initiatives à dévoiler au Game Awards 2020, quel sera son premier jeu? Il s'agit, bien évidemment, et là, à vous de remplir, joueurs et joueuses, vous prenez votre clavier, et puis c'est parti. Alors le joueur, saisissez votre réponse, c'est Kaout. Hein. Désolé pour les dames qui nous suivent, qui jouent avec nous. On n'avait pas la possibilité de modifier ça. Salut Marc, comment vas-tu? Alors, on va regarder la réponse. Avec Kaout qui est vraiment en souffrance là. C'est Perfect Dark, on en a parlé tout à l'heure. Logiquement, c'est un sans faute pour tout le monde, ça. C'est un sans faute pour tout le monde. 23 ouais. Bonnes réponses. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est plus capable de répondre, qui a quelques soucis de lag. OK, on veut une conf E3 partie 1 et E3 partie 2. Ouais, bah ça sera, il y aura une conf partie 1, c'est Xbox, il y a une conf partie 2, ça sera la conf Bethesda, la conf Xbox, la conf Bethesda, et puis après on verra ce qu'il y aura. Hein. Vas-y Nico, on peut continuer tranquillement. C'est ça, une conf Xbox, une conf Bethesda, espérons que ça soit ça, qu'ils aient plein de choses à montrer, on en parlait vendredi.
Moi, j'espère une belle exclue, une nouvelle IP du côté de chez Bethesda. Le prochain jeu de Turn 10, quel est son nom ? Forza Motorsport, Forza Motorsport 8, Forza Horizon 5, Forza Street 2. Forza Street. Eh, monsieur, on ne rigole pas. Ok. Je crois que le 1 vient tout juste de fêter son premier anniversaire, d'ailleurs. Forza Street était très bon. Non, pas du tout. C'était une bouse infâme. Alors, le nom, c'est Forza Motorsport. Bien joué, je pensais qu'il allait avoir plus de mauvaises réponses que ça, tiens. Effectivement, oui, c'est pas Forza Motorsport 8. Exactement, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant, ça s'appelle juste Forza Motorsport. Ça incarne le renouveau, le reboot. C'est un peu un terme à la mode en ce moment chez Xbox. Ouais. Entre les soft reboots, les reboots, etc. Mais voilà, le classement James Bond, Michel, Akulani, Co, XS, JTB. Il n'y a plus de changement. Par contre, à Shaika, tu te moquais tout à l'heure de Skywars, je te vois pas non plus, hein. J'ai beau chercher. Ouais, je te vois pas. Quel studio du groupe ZeniMax Media est en charge du développement du futur jeu Indiana Jones ? Je crois que j'ai donné la réponse en tout début de live. Oui, est-ce que c'est Bethesda, Roundhouse Studios, Machine Games ou Alpha Games ? Je crois que en répondant à quelqu'un, j'ai donné la réponse. E3 Volt. C'est Machine Games. Exactement. Alors, Bethesda, en plus d'être le nom qu'on utilise improprement pour signifier le groupe ZeniMax Media, c'est vraiment un studio. Il y a vraiment un studio Bethesda. Hein. Et c'est pas eux qui développent, effectivement, Indiana Jones, mais bien Machine Games, qui étaient à l'œuvre sur les précédents Wolfenstein. Franck, tu t'en sors comment ? Oui, Là, je suis toujours 11e. Ah, bah attends, il y a la prochaine question, là, ce que Nico a lancé. Oui, mais c'est pas grave, on peut parler en même temps. Quel jeu développe actuellement Rare ? En dehors des DLC de Sea of Thieves, bien entendu. Je vous ai mis l'image. Ouais, j'allais dire, je crois que Bethesda, il y a l'éditeur, c'est Softworks et Game Studios en développeur, si je dis pas de bêtises. Oui, Bethesda Softworks et Bethesda Game Studios, exactement. Comment tu t'en sors, t'es combien là, Franck ? T'as une idée 11e, un petit peu ? Toujours, je stagne, comme tout le monde, j'ai l'impression que je stagne niveau place. Bah, c'est les questions plus d'actualité, donc là, il y a moins de mauvaises réponses. C'est ça. Ok, je vois 100 points derrière Skywars, 131 exactement. Ouais, bah ça fait loin. Rends la place. Un Star Wars Order 66 fait par Machine Games. Ah, ça pourrait être pas mal. Je l'aurais plié, Squeeze. Je vais te le faire refaire. Monsieur Off, contrat Off. Je vais te le faire refaire, moi, Squeeze. Tu vas voir, au début, c'était quand même beaucoup moins simple. On était vraiment sur l'histoire des studios au début, et là, on arrive sur les projets, donc c'est un peu plus l'actualité. Ça change pas, Jess Bond, Mich, ok. Passons à la suite. Il reste une dizaine de questions, peut-être un peu moins que ça. À coup là. Je savais que c'était Everline, mais j'ai voulu mettre Banjo Trey. Bah écoute, j'espère qu'on aura un Banjo. Quel studio a déclaré depuis 2018 travailler sur une toute nouvelle licence encore non annoncée ? Playground Games, 343 Industries, Arkane Studios, ZeniMax Online. La tournure de la question est importante. Ok, on travaille sur une nouvelle licence, mais on ne peut pas vous dire ce que c'est. Et pour l'instant, elle n'est toujours pas annoncée. C'est quel studio qui concrètement a dit ça ? C'était au micro de PC Gamer, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était ZeniMax Online. Exactement, ouais. C'est ZeniMax Online qui l'a dit en 2018. C'est revenu là, il n'y a pas très longtemps dans l'actualité, début d'année ou fin d'année dernière, je ne sais plus trop. J'étais un peu surpris parce qu'effectivement, tout le monde, ça s'agitait, ZeniMax Online. Tiens, ils sont sur une nouvelle licence, mais on le savait déjà, ça avait été mentionné par le directeur, enfin par le boss, je crois, du studio. Ou par... par le boss du studio. Donc voilà, c'est en cours, il y a des choses qui arrivent. Evolved sera le prochain grand RPG développé par InXile Entertainment, vrai ou faux ? Simple celle-là. Simple, c'est cadeau. C'est cadeau, même si vous n'aimez pas les RPG. Franck, oui. qu'est-ce que tu as répondu à cette question ? Vrai. Eh ben non, c'est faux. C'est faux. Oh. C'est faux, c'est Obsidian Entertainment qui est derrière le prochain Evolved. Et oui, il y a eu 5 mauvaises réponses. Cinq mauvaises réponses, c'est Obsidian. Oh, c'est les papas de,
The Outer Wilds, très récent. The Outer World, pardon, pas Outer Wilds, ça y est, je suis omnibulé par ce jeu-là, pas Outer World. Toujours pas de changement sur le classement, du coup, on avance tranquillement. Ouais, non, mais Franck, il est chez nous juste pour les jeux de caisse. Je vous rassure. Je vous assure, ouais. Il ne gère pas l'actualité du reste. Il fait que les jeux de caisse. Ouais, Second Extinction, c'est pas un jeu de caisse, mais bon, c'est une exception. Deathloop, Ghostwire Tokyo, ce sont deux jeux Xbox Game Studios qui sortiront cette année sur PS5. Pardon. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, je précise, j'ai mis PS5, je suis en train de m'en rendre compte, je parle PS4, PS5, écosystème PlayStation. Pardon, c'est pas un piège. C'est pas un piège de dire, tiens, c'est sur PS5, mais en fait, c'est sur PS4, etc. Je suis désolé, je viens de me rendre compte que voilà, c'est vrai, effectivement, ça sortira là-dessus. Parce que c'est la version PS4 qui sort. Il n'y a pas les optimisations encore annoncées pour PS5. Donc, c'était vrai. C'est bien deux jeux qui vont arriver cette année sur PS4, qui arriveront du coup l'année prochaine sur Xbox et Xbox Series X. On arrive bientôt à la fin. Il reste quatre questions. Nico, si tu es encore parmi nous, si ton PC est encore en vie. Oui, c'est magnifique. Je vois son curseur bouger. Bon, là, il faut être... dans deux mois, c'est faux. Tu crois qu'ils vont être encore repoussés, Deathloop et Ghostwire Tokyo? On verra, David. Avec The Elder Scrolls 6, quel est l'autre jeu en cours de développement chez Bethesda? Et encore une fois, on parle du studio Bethesda. Hein, je ne parle pas de tout l'organigramme ZeniMax Media. Je parle vraiment de Bethesda, du studio Bethesda. Il y a un autre jeu qui fait un peu l'actu en ce moment, l'actu non officielle, puisque ce sont surtout des rumeurs, hein, on est en attente d'infos officielles avec le 3. Et vous êtes 20 à avoir répondu, certains n'ont pas répondu, ils n'ont pas la bonne réponse. Alors on a eu quoi comme réponse? Starfield, Indiana Jones, je l'ai dit tout à l'heure, Indiana Jones, c'est du côté de Machine Games que ça se développe, c'est bien Starfield. Dis-moi, c'est pas toi, Franck. C'est pas toi qui as noté. Non. Ok. C'est bien. Nickel. Ça va, tu vas pouvoir rester un peu plus avec nous. Ouais, ça va. Merci Nelly Rafik. C'est ça, Nelly Rafik. Absolument. Pour le follow, c'est très sympa. En plus de ces nuages, Saga Hellblade 2, quels sont les deux autres projets en cours chez Ninja Theory? Il y en a un qu'on a évoqué tout à l'heure lors d'un classement et il y en a un second. Ça veut dire que. Il y a plusieurs choix. Project Mara, The Inside Project, Heavenly Sword ou Enslaved. Bon. Si vous êtes là depuis le début, vous avez logiquement la réponse, puisqu'on en a évoqué un. Les deux autres réponses, on les a évoquées pour parler d'anciens jeux. Et donc, il reste effectivement Project Mara et The Inside Project. Chapeau. Chapeau, parce que vous avez fait un sans faute pour ceux qui ont répondu. Project Mara, jeu... d'horreur, a priori, jeu d'ambiance, on ne sait pas si ça sera un survival, autre chose. The Inside Project, on ne sait même pas si c'est un jeu, on sait, c'est une expérience, mais on ne sait pas exactement ce que c'est, comment ça va être. C'est fait avec de la recherche médicale, enfin avec des chercheurs, pardon. Donc voilà, on attend beaucoup d'infos là-dessus. Ils ont quoi les Xbox Game Studios avec le mot project? C'est pas des créatifs. Tiens, on a un projet, appelons projet. Reconstituer le nom du dernier studio créé par ZeniMax en 2019, par le groupe ZeniMax en 2019. Là, vous faites du drag and drop. Encore une fois, si vous êtes sur mobile, du coup, pour Franck, la première réponse en haut, la dernière réponse en bas. Si vous êtes sur PC, de gauche à droite, c'est finalement dans le sens de lecture, hein, que ce soit sur PC, que ce soit sur mobile. Ah bah non, sur mobile, tu peux dire du plus ancien, le plus bas, vers le plus haut. Oui, mais là, pour reconstituer, tu ne vas pas lire de bas en haut. Tu vas lire de haut en bas. Et donc oui, c'est Roundhouse Studios. Le nom, ça a été créé en 2019. On ne sait absolument rien de ce studio. On ne sait pas sur quoi ils travaillent. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. On ne sait pas s'ils sont là pour faire des double A, des triple A. Découverte totale. Oui, Franck. Celui qui est spécialisé mobile, c'est AlphaDog. C'est AlphaDog Games. Ouais. AlphaDog Games, pardon, qui est spécialisé mobile. Reconstitué, il était noté reconstitué et... Ah, c'est moche. Alors, pendant que Nico passe à la question suivante, pour l'anecdote sur ce quiz-là, pendant que je lis la dernière question, sachez que 80% de ce quiz a été réalisé
pendant que j'endors mes enfants. Donc, désolé, c'est sans doute pour ça que j'ai noté XO 2019 la dernière fois, et c'est sans doute pour ça que j'ai mis reconstitué et, parce que quand vous avez des enfants à faire dormir, c'est compliqué. World's Edge sortira Age of Empires 4 au printemps 2021 sur Xbox Series XS. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La date a été annoncée il n'y a pas longtemps. Vous êtes 19 à ne pas être tombé dans le piège. C'est faux, puisque ça arrivera uniquement sur PC. Franck? Ah, mais je ne l'ai pas trompé. Magnifique, oui. Magnifique. C'était la dernière question. C'était la dernière question de ce live. Alors, fin de ce trivia, ça donne quoi le classement? Qui est le grand vainqueur? Est-ce que c'est James Bond qui a gardé sa place ou pas? Troisième, JTB, avec 29 900 points. Alors, j'applaudis pas trop fort parce qu'il y a des gens qui dorment chez moi. Et c'est pas James Bond la première? Mais qui est premier? Michel. Félicitations, Michel. Bravo. Alors, je me rapproche comme ça parce qu'en fait, j'ai mon micro qui est juste là. Vous voyez? Bravo, Michel. Ce retournement de situation à la fin. Quel puits de connaissances, notre Michel. C'est dommage qu'on n'ait pas la musique. On avait prévu des trucs de fou avec le PC de Nico, des musiques, des lumières, des trucs. Pas du tout. Mais c'est chouette. GG, Michel. Bravo, c'est beau. Question difficile. Ah, tiens, on peut voir un petit peu les questions qui vous ont posé problème. C'est bien, ça. Avant de se consacrer à les licences Gears. Tiens, Marc. Si tu es encore là, je ne sais pas si tu es encore là ou pas. Petit exemple. Avant de se consacrer à la licence Gears... Non, attends, remonte Nico. Reviens sur la première. Avant de se consacrer à la licence Gears, The Coalition a connu bien... Connexion perdue. Ok, on est bien. Lesquels? Est-ce que, par exemple, Monsieur Hoff, est-ce que Marc, si tu es encore sur le live, est-ce que tu sais dire les noms Easy, Black Tusk Studio? Il y en a deux autres. Ils ont eu quatre noms en tout. Black Tusk Studios et The Coalition. Quels étaient les deux autres? Est-ce que tu les as? Parce que tu étais censé survoler le live. Enfin, le trivia. On va voir. Je te laisse répondre. Vas-y, descends un petit... Ils étaient censés bosser sur un jeu triple A avec l'UE. Ouais, avec l'Unreal Engine. Exactement. Et ben, c'était d'ailleurs une démo Black Tusk. Et les quadruple A, on aime bien ça chez Microsoft. Hein. C'est le cas aussi de nos initiatives. Bon, en vrai, c'est du triple A, mais effectivement, ça a coulé un petit peu un moment. Nico a quitté. Voilà, il s'est dit, j'en ai marre. Il en a eu marre. Je me barre. En fait, c'est l'ordi qui a explosé. Et il est bon, Marc, quand même. Je crois qu'il y a Microsoft Vancouver et l'autre, je ne sais pas. Exactement, il y avait Zeppelin Studio et puis il y a eu Microsoft Studio Vancouver. Respect déjà pour en avoir deux sur les trois, c'est beau. Est-ce que Nico est pas loin? Est-ce qu'il est encore capable de s'afficher avec nous? Le temps de vous remercier. Non, bon, il n'est pas capable de s'afficher avec nous. On voit sa fenêtre, mais un écran noir. Voilà, le Xbox Trivia se termine sur la victoire. Alors, je rigole parce que je viens de voir le visuel de Nico s'afficher. C'est magnifique. N'hésitez pas à faire des captures. On va la partager, celle-là, sur les réseaux. Elle est superbe. Elle est parfaite. Bibi, si tu veux nous faire une emoji. C'est magnifique. Merci à tous de vous être prêtés à ce trivia. On est encore vraiment désolé des soucis techniques qu'on a eus avec Nico. On n'a pas pu mener ça exactement comme on l'a entendu. Ça a duré du coup un petit peu plus longtemps que prévu. Alors, on est à peu près dans les clous. On avait dit 1h30. Ça a duré 1h20. Mais bon, on a eu quelques soucis techniques. On va voir pour le hoster chez quelqu'un d'autre, je pense, la prochaine fois. Histoire que ça soit... Un peu plus stable. Merci à tous. N'hésitez pas à nous faire des retours, que ce soit sur le chat, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur le site, sur la manière dont on présente ça, sur la manière dont on anime, sur les questions, est-ce que c'était trop dur, pas assez dur, etc. Franck, comment tu l'as vécu, toi? Bah, c'était... Il y a des... Comment dire? Sur les dernières questions, comme beaucoup, j'imagine, j'avais plutôt... Enfin, j'avais plus de bonnes réponses, et par contre, au début, c'était un peu plus laborieux. Ouais. Ouais. L'histoire des Xbox Game Studios, c'est un peu plus compliqué. Enfin, des Microsoft Studios, c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais ça n'empêche que c'est très enrichissant, franchement, d'apprendre de toutes ces informations. J'espère. Mais on en fera un autre sur les Xbox Game Studios. Il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à découvrir. Il y a des annonces qui seront faites. On pourra intégrer ça dans les projets. Donc, on a encore des choses à dire là-dessus. Ouais. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Alors, du coup.
C'est Michel qui a gagné. Alors, ce qu'on va faire, parce que Michel est un membre de l'équipe, donc on ne va pas le faire gagner, évidemment. On va regarder le classement, nous, on y a accès. On va prendre le premier non-équipe, on va le prendre, et puis on viendra le solliciter sur Twitter pour pouvoir lui offrir un jeu, pour pouvoir lui offrir un Xbox Game Pass Ultimate. On va voir ce qui l'arrange le plus. Merci à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé du bon temps là-dessus. J'espère que vous vous êtes amusés. On se donne rendez-vous. Si tout va bien, vendredi prochain pour un nouveau Xbox Corner, puisqu'on avait décalé le dernier, donc là on va reprendre dès la semaine prochaine et puis tous les 15 jours. On aura encore des invités. On se fera sans doute un focus sur l'E3, justement, sur les attentes, sur la hype qu'il peut y avoir et compagnie. Ça sera un des sujets, il y en aura d'autres bien évidemment. On verra un peu ce que ça donne. N'hésitez pas, bien entendu, si vous voulez participer au Corner, à nous le dire. Si vous souhaitez participer à la place de Franck la prochaine fois, et on vous fera davantage parler puisqu'on aura moins de soucis techniques. Vous nous sollicitez aussi. Si vous souhaitez, on l'a dit, faire un Xbox Trivia vous-même, dire mais moi je voudrais en créer un, je voudrais le partager avec vous. Bah écoutez, c'est open, il n'y a pas de problème, vous venez, vous l'animez avec nous. Et voilà. Donc j'espère que vous avez passé du bon temps. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à vendredi prochain. Le prochain Trivia devrait se faire sur Halo. Oh. 40 questions, 30 questions, 50 questions, je ne sais plus. C'est Jess qui a préparé ça. Ça se fera sur Halo. On aura sans doute d'autres choses à annoncer déjà d'ici là. Passez une excellente soirée. Encore un grand merci. À très vite. Ciao. Bye bye tout le monde.